I Dance ou Yeah On the beat. Vous passez pendant que le collègue se font peut-être torturer, les gars. On a le buisson, on a le buisson, venez. T'arrêtes pas de te lever. Si nous on est dans la merde, on est mort, les gars. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Oui, capitaine. Donc vous vous rendez compte de la gravité, il y a un flic à nous qui est mort. Quoi? Quoi? Ouais. Non, il y a trois flics enlevés, c'est tout. Non, il y en a un qui est décédé. Il y en a un qui s'est pris une balle dans la tête devant tout le monde. Oh putain de merde. On sait qui sont les assaillants? Oui, on sait qui sont les assaillants. La mission, elle est sous les ordres de qui? Sous les ordres de moi. Vous fermez vos gueules, vous exécutez les ordres. On va aller sur territoire ennemi. Oh, let's go les gars, ça va être si stylé, on ça. Volait le territoire. Arrêtez de danser de suite. Non mais on t'écoute. Arrêtez de danser de suite. Non mais c'est la musique qui me fait trop, Je disais, je me répète du coup, et ne dansez pas. Restez sérieux, l'heure est grave, on a perdu Zai. Ne dansez pas 95. Zai, oh non. Il est mort. Il vient d'être... Ah non, c'est pas grave. On a trouvé des plantations de... Oui. Attends, je vais jeter la tenue que j'ai sur moi, sinon je pourrais pas mettre l'autre. Vache foudé au caraï. Excusez-moi, ça marche ça, non? Mais non, venons au magasin de vêtements, Je suis un viseur au deuxième étage. Vas-y. Ok. Vas-y, allez. Allez, s'il vous plaît, bougez votre cul. Qui a dit Ronaldo? T'as l'heure là? Waouh. Oh mon dieu! C'est pas grave, concentrez-vous sur la mission, on s'en fout. Oh mon dieu! Là, mais la c'est pas pour. Allez, allons, on va à la boutique de vêtements. Mais là, c'est trop les coups de feu. Là, c'est trop là. Mais c'est un minigun, c'est quoi ça? Ouais, non, mais là, y'a un problème. Mais là, on est obligé d'y aller, là, on est obligé, là. Non, mais y'a un problème. Chut, taisez-vous, écoutez radio. Je crois qu'on se fait hack. À 30. Ils avaient dit attaque cyberterroriste, je crois. Oh, c'est vrai, ils avaient dit cyberterroriste. C'est du hacking. Bah oui, c'est du. Écrit rec. Capitaine, lieutenant, on fait quoi? Par rapport à ce coup de feu là. R1, c'est Caio Perico, on peut rien faire. Ah, ils nous ont tiré dessus à la dégâts. Pour revenir par rapport à ça, oh mon dieu! Encore une fois, là du coup, il y a quelqu'un qui va survoler l'île de Caillou pour avoir d'informations. Mais attends, trop stylé, wesh! C'est moi! J'ai dit vous allez vous préparer potentiellement à mener des pirates somaliens sur l'île, pas maintenant. Ah, d'accord, ok. Écoutez quand on vous parle, merci. Des pirates somaliens, il a dit? 45 ouais, survoler, eux, ils vont juste survoler. Pour l'instant, les gars, on ne peut pas attaquer que Perico. Hein. Putain, les gars, trop stylé! On peut rien faire, on peut juste prendre des poteaux. Wesh! Wesh, ça va tranquille, ma gueule? Bien. Bonsoir de Brésil. Allez, habillez-vous comme des amis. Je me mettais pas devant moi. On s'en beurre, monsieur. On s'en beurre. On est en mission là. Wesh, on est en mission. S'en beurre de vous. Mayday. Ah, tu crois trop ici, c'est la cité, mon frère. Tu feras ta tenue plus tard. On n'est pas dans votre quartier de 1. Oh là. Ta dex, la tête. T'as peut-être du potentiel dans ton quartier, mais pas ici. J'ai pas de quartier. Fais un cri-cri-pe, s'il te plaît. Un quoi? Un cri-crib. Oui. Bah, déjà commence à toi apprendre à le faire avec ton cri-crib. Mais non, mais lui il s'est fait bien, vas-y fais-le. Et son père, gars, je te le dis. Ah là, le son père. Je te le dis. Ah, 0-2, fais. Vas-y, fais. Non, c'est bon, je me fais trop terminer, c'est bon. Roi, ça fait quoi quand tu fais EU? Je sais pas, les gens ils me terminent en ce moment là. C'est qui les gens? On sent. Les gens de la ville. Non, mais fait. C'est ça des pirates comment? Ah non, des pirates. Oh, j'ai trouvé une tenue. Ça, c'est génial, ça. Mais tu c'est crois, pirate tu crois ou... que. Du Brésil, je comprends pas. Bah, c'est un pirate clochard, il a dit. Ah bah, super. Ah bah, super. Oh, mais là, c'est génial, ma tenue. Hein. Mais moi, aucune idée. Comment elle s'habille, les meufs pirates? Les gars, ma tenue, elle est géniale. Je savais pas. Avec un vieux pantalon pourri. Un vieux short. En vrai, petit t-shirt, non? Genre, t-shirt arraché. Hola, hola, hermano, tranquilo. Non, ça me fait penser à... C'est hola. À la poupiasse, là. Voilà. Voilà, dealer. Hermano, bien, tranquille. Oh, Riz. Ouais, mon grand. Pourquoi t'es tout calme? Bah, pourquoi je serais excité? Parce qu'il a le cœur rempli, et quand il a tout le cœur rempli, voilà, quoi. Ouais, en fait, allô, il est en couple avec Adriana. Super, ça, les gars. Adriana est pas au courant. Et vu qu'Adriana, c'est une chouette qui est sortie avec toute la ville... Coup, t'es un menteur, je suis sorti avec lui. Mais tu sais que t'es une langue de vipère, toi, de toute façon. Ouais. Mais il a pas tant en soi à 30 ans. Mais je suis sorti qu'avec 0,8. Mais t'as voulu sortir avec moi en cachette. Non, j'ai encore en cloque. T'as voulu sortir avec moi aussi. Mais à quelle heure? Si, nous passerons pour manger le souper. Faut bien promettre notre relation, c'est ça. Ça va comme ça. Avec ma familia, nous allons passer pour manger quelque chose. C'est quoi ton. Les gars, c'est bien ou pas aussi? Quelle pile? Attends, mais comment on enlève le 222? Les gars, c'est bien moi aussi. Si, nous passerons manger quelque chose à Caillou Périco dans les moments qui viennent. Regarde. Oui, te parle eh bien, de il manque juste un chapeau. Parlez-nous quelque chose de bon. Ah, tes souhaits, mon ref. Ah, c'est le t-shirt. T'as un accent latino, là? Ouais, je parle avec les gars de Caillou. Préparez-nous quelque chose. T-shirt, mon ref. Elle a appelé moi, là. Y'a pas des chapeaux? C'est ailleurs, je crois. Ah, fais chier.
Tu veux un chapeau, je peux t'en donner. T'es bien allé, ça. T'as pas un chapeau de pirate? Pour casser ta sale gueule. Ah non, c'est pas ça, Faïs. Oh non, oh non. Mais comment ça, des pirates même? On est en quelle année, là? Oh putain, quelqu'un veut une chicha? J'ai... mon sac, il est rempli, là. J'ai pas de place pour mettre ma tenue. T'as de la clé sur le torse, moi. Tiens, toi, espèce de voyou, toi, va fumer, toi. Tous les agents qui ne vont pas sur une inter va. Et qui ne sont pas occupés, j'aimerais vous voir tous au PDP, au parking, s'il vous plaît, en ligne. Bah, c'est déjà bien. On arrive. On va refaire un dispatch des personnes qui restent en service. 10-5. Ah non, mais un dispatch des personnes. Ça, c'est pirate, ça? T'es un bâtard. C'est pirate, ça? Le haut, ouais, le haut, ouais. Ouais, en vrai, ouais. Ouais, franchement. Le bas? Là, comme ça, c'est pirate, non? Ouais, le bas, ouais. C'est pas ton bas? Yeti. Ça flingue. Mon bas, c'est. La moustache! Ah, comme ton matricule! Avec mon polo E-A-7. On fout de locker. 0-0, si vous prenez moi pas du tout. Hein, en fait, hein, y a beaucoup trop de monde à l'hôpital. Les gars, moi c'est bien ça. Hein. En vrai, ça passe bien de ouf, non? Ouais, je sais pas, ouais, peut-être. Ouais. Cachez tous les armes. Je suis grave fraîche comme ça. Ça passe de ouf. Je te conseille un truc. Quoi? 0-6 HMUS. T'as déjà mangé un Atoll? Un quoi? Vous pouvez me dire tous les noms qui sont avec vous actuellement? 39, 113, 95, c'est hyper 30, bon. 02. Ça doit attendre. C'est juste à la chute là? Prendre là en fait. Sinon faudrait plus mettre un short. Eh moi ça passe ou pas les collègues? Ah oui, short ça fait plus. Parce qu'il fait beau, on est sur l'eau en vrai. T'as vu? Ouais. C'est bon, après, bon hein. Merci. Oh mais c'est une dinguerie, oh t'as mangé. Hein. Mais t'as mangé. Tu pars au tailleur sur le crasse de merde. Ouais. Mais grave, c'est bon. Porc va. Ouais, c'est bon ça. Ils me foutent les nerfs, mec, comme ça. Oh, la barbe, le détail. J'ai pas vu. Non, vous prenez votre tenue sur vous et vous la gardez pour plus tard, ok? Crasse de merde, t'es pas éduqué ou quoi, frère? Petit cochon, va. Tout, va ailleurs. Qu'est-ce que ça, moi? Non, mais c'est dingue de se roter comme ça, à grande gorge, là. J'ai rien roté, moi. Elle va manger du caca, toi. Ouais, ouais, mets ça. Putain, mais on dirait que je vais faire du javelot, là, sur la place. Casse la bida, me casse la bida. Mais ça ou pas? Je suis mort, c'est bon. Oh, c'est stylé. Le ventre qui dépasse un peu. Eh, on dit un crop top ou un croc top? Croc. Non, à la base, c'est crop. C'est un mot anglais qui a été utilisé pendant la guerre. C'était pour définir les pièges. Bonus, qui fait dans l'ordre. Où ça? Et en fait, on appelait ça un crop top. Tu recherches, mais c'est trop bon. Vraiment. Crop. Crop top. Bien comme ça, non? Ouais, avec ça tue. Voilà, c'est nickel. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Oui, oui. Mais pourquoi tu me parles d'Anatole, là? Parce que j'ai mangé un. Mais c'est quoi, du coup, Anatole? C'est quoi comme. Juste à 5 minutes. C'est quelle origine? Ça vient d'où, ça? Hein? 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 T'as dit quoi? Ça vient d'où, ça? C'est de quel pays, Anatole? Je sais pas, moi. Eh, t'es... T'es lent. C'est que c'est un kebab, c'est lent tout. De fou. T'es lent de fou. Faut ouais, c'est un kebab, c'est tout. Ouais. Ok, la team Sheamus et la team 45, s'il vous plaît, rendez-vous sur la fréquence numéro 99. 99, les amis, la radio. 10-4. Bah vas-y, redis-le encore plus fort. Oh merde. Ils ont pas de radio. Encore fréquence? Ah si, peut-être que si. 37, ça fait. Merde, y'avait lui là! Non, j'en ai pas. 18 sur fréquence. Ok, alors. Mais tu mets des tongs, Adrien? Oh, c'est quoi la radio qu'il a dit là, s'il vous plaît, là, si vous avez écouté? Là, y'a donc 4 agents 99. Qui vont survoler Caillou Perico à bord d'un hélicoptère pour repérer les jeux. Du commando. Non, mais dis-le plus fort, toi aussi, la radio. Qui vont donc repérer les jeux. C'est grave ça. Pendant ce temps-là, Sheamus. Putain, c'est tellement une clochard, elle me coûte 30$. Heureusement, c'est un fatigué, lui, là, il entend rien. Vous allez amarrer sur l'île. Hein, fatigué. Mais attention, je vous ai prévenu, je vous amarrer en mode civil indien. Trop fatigué même. Ouais, ouais, on a notre tenue là, on s'est préparé. Heureusement, il attendait. Des ballons avec des lions, des tigres, faites ce que vous voulez. Mais vous ne. Les gars, venez, je drop mes tenues là. J'en ai trop, voilà. Police 5K, on s'en beurre. Oh, mais c'est la tenue de police. N'oubliez pas que la vie de vos deux lieutenants en dépend. Ils sont sur place là-bas, ils sont. Raph Lorraine. Je peux pas cacher mon arme. On a pas envie d'attendre 50 ans là, dépêchez-vous. Ah moi c'est bon, je suis prêt là. Les gars, je peux pas cacher mon arme. Quelle arme? Derrière moi. Bah non, elle est grosse. Faudra pas que je prenne un pompe. Je peux pas cacher un pompe. Ah oui. Mais je vais dire le mettre dans mon gros. Ouais, posez.
Vraiment là, vous restez calme de points et encore. Attends, mais c'est pas ma voiture ça. T'as dit quoi, Chimus? Mais elle est où la voiture quand on est venu nous? Bah, celle-là, frérot. Ah, mais putain, je suis con, bah oui. Elle était pas de cette couleur là-bas. La ta tenue? Si. Juste qu'elle est sale, elle est trop sale tout le temps. On va où là, chéché? PDP. Oui, ok. À gauche. Et merci, voilà. Chimus. D'accord. Et après? Bah, tu te gares là, à gauche là. Gare là, à gauche. Allez, le petit créneau. Confiance en soi. Voilà. Voilà. En légende. Par contre, vous voulez pas changer de radio parce que le mec il a entendu la radio. Mais ils ont pas de radio, t'inquiète pas. Enfin, je sais pas, mais. Moi je dis ça au cas où c'est confident. Oh, elle a pas, elle a pas de roue. T'es un pirate là ? Allez, descendez en bas, descendez en bas. T'as dit quoi ? Là t'es un pirate là. Marche pieds nus. On dirait tout un toxico. Bah, tu marches pas pieds nus, tu marches pas. Là t'es un pirate là. Je suis un putain de pirate, mais dans OBA frère. Je suis un rat. Je suis un rat de pied de ouf, frère. Ça, on dirait un mec qui écoute du rock avec ton régulard. Mais peut-être, mais pas là. Bah, si, je suis un putain de pirate, mec. Eh, mec. Il écoute du métal. Ça fait pirate, non? On est d'accord. Ouais, ouais, c'est lourd. On est d'accord. Ouais, voilà. Mais j'avoue, non, non, t'abuses. Mais c'est quoi un pirate? C'est quoi un pirate? C'est quoi? Je vais faire une tenue avec des vêtements déchirés, des trucs de ouf. T'as jeté une tenue police? Oki, MCD. Et la tenue police 5K, vas-y, c'est bon, frère. L'ASD 45 et 78, eux sont en véhicule de police. Que eux se fassent remarquer par l'île et que vous amarrez par un autre. Ah, c'est bon, les gars, j'ai arrêté de me dire. Amber. Ça me semble quoi, Tatane? Bon, y'a Chemus là, elles sont où les deux meufs? Ah, c'est Maki, je crois. Non, elles sont où? Montez dans la voiture. On arrive là, c'est ça? Ouais, non, pas la mienne? J'arrive. Non, 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 pas la tienne. T'es gris. Là, vous allez à Caillou tous les quatre là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, avec les deux nanas. Tous les six. Faites attention, ok? Promis, promis, capitaine. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Vous allez être fiers de nous et on va monter en grade grâce à ça. On est les Power Rangers. Comprenez les risques, hein, vraiment pour le coup. Hein. Ah, pour le coup, ouais. Je vous le dis. Non, non, en mode rat de pile. Ça pardonne pas là-bas. Prenez une voiture. Prenez une voiture et suivez-moi. Bah, moi je vais patrouiller. Vous savez conduire ça, vous avez permis? Chemus pour 78, on se retrouve à l'aéroport, c'est bon? À l'aéroport. Aéroport, Chemus. Aéroport. Aéroport. Et moi aussi, je disais ça quand j'étais petit, ouais. Aéroport. Chemus, aéroport. Y'a les gars? Aéroport, ouais. Je crie là, oh! Ouais, t'inquiète, on réfugiera ça dans le bateau. Ouais, 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 c'est ça, ouais, ouais. Les pirates. Alors, on attend. Chemus, ouais. Répète après moi, aéroport. Au salut et en ligne. Oui, oui, mon capitaine. Par contre, vraiment, Chris, ça va pas ta tenue. Scott, pardon. Si, elle est bien ma tenue. Il va se mettre torse nu et marcher pieds nus, y'a pas le choix. Ok. Ouais. Vous savez ce qui nous a été demandé, les gars, que ce soit vous comme nous, ça risque d'être risqué pour tout le monde. C'est qui nous parle, hein? 78. Ah pardon, parce que comme vous êtes masqué, je... nous on va être dans les airs, on va essayer d'attirer l'attention côté villa, donc à l'opposé de où vous allez arriver normalement. Pardon, excusez-moi. Parce que vous allez arriver côté piste. On va essayer de la... Ça va le chat ? Histoire que vous pouvez progresser sur l'île. Prenez pas de risques inutiles, les gars. On dirait pas dans, dans le mode campagne de MW2 ? Même si... L'équipe de Ghost ? Le LSPD et que... On dirait pas ? Et que tout ça, et que tout ça, bref. Prenez pas de risques, on va, on regarde, si c'est trop la merde, on se casse. Et dans ce cas-là, on fera une OP ou les militaires feront une OP. Et nous, on dirait pas des clochards. Pardon. Notre but, c'est juste de regarder ce qui se passe, trouver nos agents et les dégager d'ici. C'est tout. Vous êtes armés quand même, Chemus, ou pas? On est légèrement, ouais. Okay. Faites attention à vous tous, les uns pour les autres. Ouais, et, on se retrouve ici ce soir. C'est 4. Ok, du coup, les gars, s'il vous plaît, important. Là, actuellement, du coup, la police est divisée en deux factions. Là, il y a la faction qui reste sur Los Santos et celle qui part à Caillou, ok? Je sais qu'on peut pas être plus sur Caillou parce que ça, on peut pas tout laisser être à Los Santos. Juste un truc, pensez qu'il y a des mecs qui restent à Los Santos, ok? Si vous avez besoin de n'importe quoi, d'assistance, n'hésitez pas à leur demander, ok? Ok. 10-4. Mais après, c'est à vous, important. Chaimus, tu vas pas avec eux? Bah, attendez, si, je vais si, je vais aller avec eux, bien sûr. Je vais les accompagner. Ok. Merci. Pas de risque inutile, les gars, vraiment. Ah, des vrais professionnels.
Vous êtes sûr de vouloir venir? Vous êtes pas obligé. Bah oui, bah on est sûr, Seamus. Pour l'Amérique. Prenez bien en compte que le danger est extrême là-bas. On n'est pas sur notre territoire. Bien sûr. Le gratin du LSPD, là, il n'y a pas mieux. Là, en ce moment, là, les dernières cartes, c'est les meilleures. C'est nous. Comme il a dit Louis. C'est pour ça que ce serait con de les perdre. Lui. Voilà. Vous êtes sûr? Après, nous dire qu'on va crever, quoi. Je vous le dis, c'est mission suicide. Mais moi, mission suicide, j'y vais tout le temps. Et on est là pour sauver nos collègues, ok? Moi, le risque, c'est ça qui me plaît. Ce que tu dis, Seamus, c'est que là-bas, si on tombe, on crève. Commence y aura personne pas. Pour nous. Ouais. Commence pas. Il y aura personne pour nous rapitoyer. Je vous le dis. Rapatoyer. C'est ça. Rapprivoiser. Rapatrier. Rapatrier. Il a compris, Iris. C'est bien, c'est ça. Ouais. Oui. On est mort, quoi. On est mort. On est mort. Squeak. Alors, c'est pour ça que vous écouterez tous mes calls. Le premier qui me prend pour un con. J'espère qu'il ne mourra pas. C'est bien reçu, Seamus. Si je peux pas rester avec ça, je suis tout, moi. Je peux ou pas? Si tu veux aller dans les airs, tu vas dans les airs. Le problème, si c'est qu'on a 4 places, Hélico. Il y en a pas un d'entre vous là qui veut aller avec sur le terrain? T'as pas confiance en nous, Riz? J'ai l'impression que j'en ai tenu, c'est rapide. S'ils se sentent pas rassurés, tu vas pas en notre équipe. Je sais que vous allez bien rigoler, mais je sais que vous allez bien crever aussi. 78. J'y vais équipé de mon Beretta, je peux prendre la place au cas où. Regarde, je te passe ma tenue et tu me passes la tienne. Allez, affi, on fait ça. Tu prends pas le risque, Grise. Ah bon, j'attends juste l'autre. Ah bon, tu nous laisses crever, Riz? Ah bon, Riz? Ah bon. Bah, le problème, c'est que Riz au sol, on avec plus ou moins, ça risque d'être compliqué pour le coup. Surtout qu'il est pas formé avec les grosses armes. On a besoin de toi, Riz. Riz, je te tire avec les grosses armes. Non, arrête, on n'a pas été formé. Mais dans les airs, ils vont pas tirer, je crois pas, les gars. Alors qu'à terre, il y aura plus d'action. Même si on meurt, au pire. C'est pas grave. Je te dis la vérité, t'as vu, je sens qu'avec eux, on va bien rigoler, mais qu'on va bien crever. J'aimerais bien. Et bah, c'est à toi d'apporter le sérieux. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ton problème, c'est ton manque de professionnalisme. C'est maintenant qu'il faut que tu le montres et que tu les guides avec Seamus. Vas-y. C'est vrai ou pas? C'est comme vous voulez, Riz. Si besoin, je peux ramener ma place. Comme ouais, Riz, on a besoin de toi pour que tu nous guides. Par contre, les gars, si Riz il a ces doutes là, c'est pas grave si tu meurs. Oh non, c'est pas grave. Enfin, je peux. Par exemple, pas crains notre perso au pire. Insta, alors que. Tant c'est dans tous les cas. T'inquiète, les gars. D'accord, c'est bien. Les gars, t'inquiète. Après, là, on est en briefing. On enchaînera une masterclass, Inch'Allah. On a dit ce qu'il y avait à dire. Si on meurt. Les gars. Oh bah attendez, dans le titre du live, mettez la fin pour une fou. Je peux enfin mettre le titre là, les gars. Yes. Vous voyez, vous avez un doute, un risque. Les motos, s'il vous plaît. Alors, parce que moi je veux pas des pétochards, hein, je le dis direct. Des quoi? C'est pas, j'ai peur de mourir, des pétochards, des peureux. Justement, moi j'ai pas, nous on a pas peur. C'est comme vous voulez, Riz. Voilà. J'attends. Moi je suis conscient, je n'ai pas peur d'aller mourir. C'est bon, mais 26 je vous préviens, si jamais là vous êtes pas sérieux, je fais ma route tout seul. Merci Igolo pour le sub. On va tous être sérieux, on sait qu'on risque notre vie. Hein. On se tient au jus quand vous êtes dans les airs et nous sur l'eau, il y a le bateau qui nous attend. Ça marche. J'espère qu'on se trompe pas à t'écouter, Seamus. On est tous sur la même radio de toute façon. Allez, venez, les poulets. C'est parti. C'est quoi des pétochards? C'est des peureux. Ah, très bon. Des gens comme toi. Seamus, ça veut dire genre t'as les pétoches. Ouais. Est-ce que vous avez tous laissé vos cartes d'identité ici? Quoi? Bah non, on fait. Bah je pense que oui, si vous êtes fouillé et que vous avez des cartes d'identité. Ah oui, si on doit laisser les cartes d'identité, on laisse les tasers, on laisse les. Prenez tout, juste un Beretta. Bah même la radio, on prend pas alors. Oui, mais la radio Beretta. C'est la radio qui s'en prend. Bah je mets dans le coffre. Vraiment, dans le coffre, mettez vos cartes d'identité. Vas-y, oui, c'est pur. Je pense vraiment. Attends, on retrouve, hein. Est-ce que ça va nous mélanger les cartes ou pas? Il y a des gens de Caillot qui sont. Attendez, regardez, moi je prends 78. La première ligne. Taser, on prend ou pas? Non. Taser, non, même pas. Vrai, faites gaffe, même. Moi je fais la dernière ligne, moi. Ah non, il y a là, les gars, attends, je prends les 3 premières lignes. Pas la dernière. Ah, non. Moi je prends la suite. Je prends la 4ème ligne. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle pas de vendeurs de drogue. Non, la 5ème. Qui sont à Los Santos et qui nous connaissent. Le taser aussi, on le met là-bas? Garde son Beretta. Taser, matraque. Bon, Taser, vous allez pas en avoir besoin, les gars. C'est pas des vendeurs de drogue là. On parle de mecs qui disent que si on vient, ils nous rafalent et ils nous font péter. Et qui sont prêts à déclarer la guerre aux États-Unis. Les menottes, on dépose aussi. Tout ce qui est en rapport, ouais. Explique. Ah ouais, menottes, si t'es un pirate, t'as moyen d'avoir des menottes, je pense. Ah oui, bah pour attacher les poissons. Et imaginons, vous arrivez à choper quelqu'un là-bas. Hein, très bien interrogé sur ce qui se passe. Ouais, j'ai rigolé à ma propre blague, histoire folle. Vous avez des balles en rab ou pas? Si jamais ça part en couille. De Beretta. Venez sur moi. Les pare-balles, on l'a dit ici. Sur moi. Tout ce qui est tenu, on s'en beurre ou on pose? Non, on pose aussi. Hein. Ah ouais, putain de merde, c'est une dinguerie ça.
juste la tenue. Y a plus, y a on prend place. Pas de taser, on prend que le pétard. Ouais, ouais, que le pétard. Est-ce que vous avez des munitions en rab ou pas? Ah non, en fait, c'est bon, j'en ai assez. Riz, si tu peux m'en donner, je veux bien, ouais. Tout ce qui peut vous lier à la police, vous déposez. La cinquième ligne, je peux la prendre, Riz, ou pas? Ouais, moi c'est bon, là, j'ai tout posé. Vas-y, vas-y. Tiens. Merci beaucoup. Mon bracelet, le bracelet que t'as aussi. Posez vos cartes de banque, je les récupère, vous inquiétez pas, c'est... cas où. Fermez bien votre véhicule, parce que... Je vois qu'il y a personne qui a posé les cartes. Si, moi j'ai posé mes cartes bleues. Riz, viens me voir. Je récupère temporairement, c'est juste... pour les missions. N'oubliez pas les tenues LSPG, les badges et tout. Alors... il me reste bandage. Beretta. Vraiment, ça va vous mettre plus en danger que autre chose là-bas. Pistolet de combat, on dépose aussi, hein. Non, bah non. Non, mais j'ai un Beretta. Si t'as un Beretta, ouais, dépose ton pistolet de combat, il est sérieux. Oh, au pire, je garde le. Menottes, on peut prendre ou pas? Ouais, menottes, mais forcez pas tous à avoir des menottes, genre. C'est bizarre en vrai. Moi, c'est pour faire des hamhamages. Ça peut toujours aider sur le terrain. Canne à pêche, bah on peut ça, canne à pêche. Ah, oui, gars, vous m'écoutez? Oui. Je vais vous le redire une dernière fois, comme Seamus et Riz a pu vous le dire. C'est bon les gars, je suis bien moi. C'est une mission. Et un gilet, ah oui, merde. Possible, sans retour. Que tout le monde l'enregistre très bien. Et comprenez que des fois vous pouvez nous prendre pour c'est bon, des les gars. Aigris ou pour des gens qui n'ont pas envie de rigoler. Mais je suis désolé de vous dire que là c'est le moment d'être aigri et de ne pas avoir envie de rigoler. Je vais vous ça donner... peut peut-être vous sauver la vie. Vous inquiétez pas. Je vais vous donner à chacun une fusée éclairante au cas où on vient se séparer. Okay. La plaque. Et qu'il faut qu'on se retrouve. Vous m'avez compris? C'est bien reçu. Oh, j'ai failli garder ma plaque, je suis en ouf. On les prendra en compte aussi, les fusées éclairantes. Et vous prendra que... les gars, moi je laisserai tout le monde prendre leurs affaires vous et je prendrai le reste. Ça marche. Problème, parce que là, je les mélange avec les autres. D'accord. C'est bon, je crois. Bien vu, chat. Ok. C'est bien reçu. Allez, on bouge. Moi, j'ai failli garder ma plaque. Aïe! Ma bad, mais va manger du caca! Les gars. Allez, et comme je dis à chaque fois, on se bat une bière en haut. S'il faut se barrer une bière en haut, allez. C'est bien reçu. On n'est pas des mouilles. C'est parti. Hey, l'empuvé, c'est bon l'empuvé. T'en bats les couilles. Si je veux être relou, ben un pirate, il a pas ça quoi. Mais après, en vrai, on s'en beurre. Ah, si, quand il fait du hamham, comme tu dis, tu vois. Non, ça c'est. Kiffer avec sa meuf. Autant, ouais. Après, un mec qui fait ça, il est vraiment très car, hein, par contre. Ah, bah, tu sais pas, il y en a, ils font des trucs bizarres. À la lampe UV, ah ouais, wow. Seamus, par hasard, t'as pas un doliprane? Parce qu'elle me met, un coup à la tête, là, j'ai... Pas de doliprane, que des burnes, allez. Eris, allez, on se bouge, s'il vous plaît, t'as pas un doliprane? On a de la route. Non. Enfin, on a plutôt de la nage. Allez, on y va, les gars. Je viens de comprendre la blague, elle est vraiment nulle. Ah, on y va à la nage? Non, on y va en bateau. Ah, j'ai eu peur. Et on a vraiment de la route. Donc, vous profiterez du bateau pour faire vos adieux. Bien reçu. Nos à quoi? Vos adieux. Ah, merde. Riz, est-ce que tu regrettes un peu de ne pas être parti dans le ciel? Oui. Ah, merde. Les regrets, c'est après, normalement. Là, t'anticipes, c'est bien. Pourquoi? Tu vois pourquoi? Oui, là on est. C'est le chef, hein, c'est le chef. Notre vie tient à Seamus. Elle tient à toi, Seamus, notre vie. T'inquiète, mon John. On prend ce bateau, mais ça va être long là. Ah, mais on est des pirates, c'est vrai, ouais. Papa, j'ai besoin d'un pansement, tu peux passer ton pansement? Bon, y'a une trousse de secours à l'intérieur là. Est-ce qu'il y a des pansements Hello Kitty? Non, tes caprices de gauze, c'est terminé! Je réitère, c'est tu, il a dit, il faut être sérieux et tout. Hein. Oh merde! Bah, il faut être. Non, mais il faut qu'on soit sérieux pour de vrai. Merde. Allez, est-ce que tout le monde est sur le bateau? Riz, faut que tu montes. Faut que tu montes, Riz. Putain! Faut que tu montes. Faut que je monte? Faut que tu montes, ouais. Ah! Ah! Faut que je monte! Faut que tu montes. Faut que je monte. Elle est où la trousse de secours ici là?
Ouais, c'est ça. Dis aux collègues. Ouais, faut que tu montes. Il va pas comprendre 95. 95. Ouais. Faut que tu montes. La touche F. Ah. Non mais y a pas de ref, en gros c'est. Je comprends ça, je suis un enfant. C'est pour dire la touche F. Papa, la trousse de secours, elle est où? Bon, c'est vraiment les gars sérieux. Eh vite fait, vous êtes tous sûrs de vouloir venir là, vous pouvez faire marche arrière, la mission vous la fait à 4. Non, c'est bon. Même à 2 s'il faut, moi j'abandonne pas 70. Je resterai avec toi, Chemus. Chemus, viens, viens, Chemus, viens. Ouais, j'arrive. Allô. Attends, moi. Eh, 02, c'est 02. Ouais. J'ai une blague, il a dit. Y'a pas d'arrache, non, elle, elle, non, elle. Là, y'a plus de blague. Elle est rapide, elle est rapide. En gros, il a dit tout le monde est là. Et bah, à part Nelson, tout le monde est là. Bon, allez. Je peux pas tomber le pantalon comme ça. L'équipe bateau, on va côté nord. On va arriver côté nord de Cayo Perico pour essayer d'attirer l'attention. Vous avez compris la blague, les gars, parce qu'en fait, il y a divergence. J'aime trop ce mot, divergence. Allez, à nous, les gars. Elle est où les trousses de soins? On a la meilleure équipe ici. Elle est où les trousses de soins? 4-30. Accroche-toi, Scott. Mais il est où? Pourquoi il y a une trousse de soins ou pas? Ouais, je crois que j'ai entendu ça. Riz, il est où les gars? Il est avec nous? Il est au téléphone derrière. Okay. C'est pas la mère qui prend l'eau! C'est ta mère qui prend l'eau! Les gars, je peux pas vous rejoindre! Oh non! Viens! Attends, Seamus, ralenti! Et si l'homme, il prend la mer, c'est que la mer a pris l'eau. Okay. Ok, on quitte le large pour info. Très bien. Ok, c'est bon. Awimbowé. Ouais, Awimbowé. Ah oui. En avant. God bless America. Dans la mer. Ah non, c'est dans la jungle, chance. C'est notre mission. Terrible jungle. On va mourir ce soir. Chemus? De 26 à équipe cannibale. Ouais. Sur 10, la prise de risque, elle a combien là? Esquiver les lits. Elles sont armées. Oh mon dieu! Il a dit? Il a dit 11 sur 10. Tu flopes beaucoup? Mais non, vous avez un dernier appel, faites-le avant que le réseau nous quitte. Ah, bien vu. Moi, personnellement, tant que je suis à côté de Scott, rien à foutre. Merci pour ta fille. C'est vrai que c'était ton père, c'est vrai. Allô 93. Allô. Tu m'entends 93. T'as déjà plus de réseau, je crois. Tu peux raccrocher. Allô, tu m'entends? Ouais, c'est bon, il y a du réseau un peu. Hey, reste avec mon téléphone parce que je pars au large et je risque de mourir. Si je suis dans une mission que je peux pas te dire, elle est confidentielle. C'est une mission à Cayo, oui, du coup. Oui, et aussi 93, je voulais te dire, comme t'es viré, si je meurs, tu prends ma plaque, ça marche? Je crois pas que ça marche comme ça, 39. Adieu 93. Adieu, non. Je dois passer le téléphone aux autres, on a pas beaucoup de raisons. Allez, adieu. Bah, 39, bon courage. Meurs pas mon frère, reviens vite. Merci 93. Je t'aime. Je t'aime aussi mon frère. Et qui se dirige du coup vers Metro, merci pour l'euro. J'ai remercié Noxy ou pas pour le sub, merci à toi Noxy. Vous voulez qu'on se dirige vers où exactement, qu'on dépose, qu'on commence à nager vers où? Il était un petit navire qui n'avait jamais. Bon, Yung-Fu. Yung-Fu, je te jure que je te fais redescendre à la nage. 37. Non mais c'est juste là le temps d'attente. Première frayeur pour l'équipe. Ok, j'arrête. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous l'avez pas là pour déconner. Ok. C'est endormi au volant. Jamais navigué qui n'avait jamais. Ouais, ouais. Les niveaux des villas à Cayo Perico pour l'instant. Ça marche. Nous, on a eu la position. Akrapovic, merci pour le 4ème mois. Merci, mon frère. Et merci, Rao, Gif, GF, le sub. C'est plaisir, bienvenue à toi. Donc, faites attention, hein, parce qu'on a eu le call, comme quoi il y avait des jets qui sont sur l'aéroport. Donc, c'est en direct de Cayo. Passe 1.0 si jamais il y a besoin, ça veut nous aider. On est.
02. Ouais. Si je meurs, sache que je t'aime. Tu mourras pas. Toi non plus. Si tu meurs, on meurt tous. Ouais. Si on meurt, on meurt ensemble. Tu mourras pas, Adriana. D'ailleurs, si on meurt, Adriana... Adriana... Faut que tu sois sérieux. Quoi? Comment ça, sérieux? Mais... Quoi? Si on meurt, tu peux juste répondre à ce SMS. Dans tous les cas, enfin, on risque de mourir, donc... Mon téléphone, il marche plus. Oui. Ouais. Ah, là, il marche, là, chez vous. C'est ça, l'équipe Canibale, quand vous arrivez au niveau des codes... Faut pas qu'on se trompe de prénom, les gars. C'est quoi ton prénom de faux? Bah, moi, de faux, ça passe bien, en vrai. Non. Oh, non, change. Non, regarde, lui, il s'appelle Tfou, moi, je m'appelle Yer. Ah, mais sérieusement, les gars! Non, sérieux, les gars, s'il nous appelle. S'il nous demande nos prénoms! Ça fait Yer Tfou. J'ai une idée. Scott, c'est Scat. Tfou, c'est Tfa. Tfa? Riz, c'est Raze. Et Shemus, c'est Shmus. Non, ça ressemble trop. Choisissez vos prénoms pour vous en rappeler. Même... Moi, c'est Rosalia. Toi, c'est quoi, Kathleen? Moi, appelle-moi. Je vous fais un appel de rapport pour vous. Carlos. Quelqu'un fait un 10-4. Quelqu'un fait un appel de renfort. Ou un backup. On va nous faire une backup parce qu'on est positionné. Moi, c'est Carlos, mais j'ai pas retenu les autres. Moi, c'est Rosalia. Que Rosalia. Kathleen, c'est Catalia. Vous avez des bêtes de blaze et nous, on s'appelle Scat. Attendez, taisez-vous. Vous pouvez réitérer, s'il vous plaît? Scat, essayez de démarrer et faites attention à vous. Tenez-nous au jeu. Ok, bon, on va tous à l'arrière du bateau maintenant. Merci. Allez, mes petites mouilles. On va au bateau là-bas? À l'arrière du bateau, okay. On va bien se briefer avant deux. Ouais, t'as raison, les prénoms, je retiens pas, moi, c'est grave. Moi aussi, mon mal. Ouais, il s'appelle comment? Il faut vraiment qu'on s'appelle par des prénoms. Parce que c'est la femme la plus belle du monde. Ligne en face de moi, s'il vous plaît. En face de moi, sergent. Moi, je vous dis, pour qu'on s'en rappelle de nos prénoms, on prend nos vrais prénoms et on enlève les voyelles. Bah, c'est ce que j'ai dit, ouais. Ouais, c'est bien ça. C'est quoi une voyelle? C'est compliqué, frère. Genre, moi, je m'appelle Scott. Scott. Ouais, ce. Scott, c'est. C'est trop compliqué. Je m'appelle Scott. Non, ça va être trop compliqué. Non, mais non, Scott, justement, c'est simple. C'est ça, c'est des noms de pirates. Scottar. Non, Scottar. Kathleenar. Chamussard. Oh putain. Voilà, et un bateau. Ouais. À couvert. Comment ça, à couvert? T'es pas avec nous, ça? C'est cramé à être à couvert, non? Je te jure. C'est vraiment crabe, ouais. Des pirates, donc Shemusar, Scottar, c'est ça? Ouais, on met des ar à la fin des noms. Adrianar, ok. Adrianar, ok, ouais, ça va. Okay. Vous avez l'habitude de mes grands discours, mais là, je vais pas vous faire un grand discours. Vous savez, les risques, vous avez signé pour, il y a plus de marche arrière possible. Okay, les gars, je sais vous m'écoutez un discours, et vous fermez vos gueules, ok? Si vous voyez quelque chose, vous le dites. 10-4. Ok. Et 10-4 aussi. Moi, on c'est te suit. Cannibale, on attend votre temps pour pouvoir commencer à rentrer sur Terre. Tfoir. Autour de vous, à l'air clean, essayez de rentrer. Tfoir, moi, ça. Faites ce que vous avez à faire. Mais attends juste, on te suit toi à chaque fois? Ouais. Okay. On doit faire une dispersion. Attendez, pouce. Du coup, on rajoute un R à la fin des prénoms. Oui, okay. On rajoute un R à la fin des prénoms. Tfoir. On est des pirates, on n'est pas des Espagnols. Mais c'est un nom de code, on n'a pas le choix. Non, mais je pense qu'on change. On met tous les voyelles en. Ah, c'est non, on laisse nos voyelles. Scott, c'est Scat, Riz, c'est Raz, Adriana, c'est Adra, ça, c'est moi, bien, c'est ça, Kat, ouais. Et Shemus, c'est Cham. J'ai rien compris. Ouais. Putain, attends, j'ai pas compris. Il y a deux bateaux qui arrivent à nous. On garde les A. Tout en voyant le changeant A. Tout en voyant le changeant A. Ok, ok. Faites attention à vous. Agissez comme des pirates, les gars, vous êtes tous les trois. Ok, allez. Tout le monde. Je vais leur demander si on peut. Youngfu, tu leur demandes. Avec ta sale gueule, ça prend vraiment pirate. Tu leur demandes quoi? La corde de poche. Prends les poissons. Attends, prends la corde là. Putain, qui est mes clopes les. J'ai dit prends les poissons. Eh, focus les gars, on va pas mourir ce soir. Oh, oui, s'il vous plaît. Okay, moi j'ai joué à rare, bon. Un requin à 1200 mètres. Première dispersion, je vais me rendre sur Terre en premier pour voir comment ça se passe. Hey. Et voir s'il nous dérange, ok? S'il nous dérange, il m'exécute, c'est tant pis. Les gars, canne à pêche. Et vous rentrez chez vous, ok? En vraiment, s'il m'exécute pas, vous attendez mon top pour me rejoindre. Qui c'est qui vient avec moi? Tous, on est perdus. On est perdus, c'est en vrai. D'abord, le moins de mort, vous viendrez à mon top, ok? Moi je vais bien venir, je sais plus rien à perdre. J'ai une idée pour les noms. Barberousse.
Allez, on y va. Truc, machin, cheveux roses, juste sans beurre. Apparemment, on s'en bat les couilles, je crois. Hein. Ouais, je s'en bat les couilles. Puis sa mère, t'en es. Ma mère. Mettez quelqu'un aux machines, ça vous entoure. Faites attention. Quelqu'un aux machines ? Comment ça, machine ? Moi, j'ai pas conduit, moi. Au guidon, au guidon, au guidon. Hey. Au guidon. Hey, hey, hey. Guidon, il a dit guidon. Hey, qu'est-ce que tu veux ? On pourrait nous rejoindre. T'as plus d'air. Il y a beaucoup de bateaux. Hein. Hey, c'est ouais, c'est mon lit. Restez dans votre. Eh, ouais, moi j'ai une petite bière comme ça. Une petite bière. Ouais. Bon, moi j'ai le tour du jour. Et qu'il puisse me donner un call radio au cas où ça vous enferme, que ça vous braque. Ok ? T'inquiète, pour moi, y'a rien. Eh on peut y aller ou pas? Jusqu'à devenir. Oui, oui, go. Go! Ok, sérieux les gars, sérieux, 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 ils ont dit. Ils ont dit pour de ça, faut jouer sérieux. Pour de ça, faut jouer sérieux les gars, ce qui paraît là. Donc c'est déjà là, il y aura un petit objet sérieux vite fait, en balle, en brrr. Ça les impressionne un peu. Cuba, on vient de Cuba. Hein. Remettez vos radios, remettez vos radios. Je te jure, adieu. Eh, on va y arriver. C'est jamais sérieux. C'est jamais. Et ça, c'est un bon feu, s'il vous plaît. Quand on court, vous courez. Soyez vif et rapide, s'il vous plaît. Ah, ça marche, vif. Écoutez l'école, s'il vous plaît. Vif et rapide, ça marche. Je vous brief sur qui on est au cas où vous faites interroger. Ok. On vient de Cuba. On est parti voler quelques trucs. Oh, c'est quoi ça? Ok. Donc, il y a des gens sur le toit là. Oh merde. On est en train de faire. Ouais. Okay, il est sur la montagne là. Soyons piratar, soyons piratar. Hein? C'est quoi? Préparez-vous. On se fait tirer sur l'arme lourde. Qui a été touché là? On va tracer. Ah, personne. Quelqu'un a été touché ou pas? Cette personne. C'est sûr? Ok, ok, c'est compliqué. Non, non, non. Et on n'a pas visé moi en tout cas. C'est compliqué cette histoire. Ils ont eu peur d'Adrien. On vient de se faire tirer dessus à arme lourde. Putain. Bon, on va pas continuer. On essaye de le cibler, mais on le trouve pas pour l'instant. Il y en a deux qui avancent dans les buissons et qui se cachent dans les buissons, les gars. Regarde à mon sud-est. Sud-sud-est. À côté, il est pas loin de la route. Il est encore là? Il est encore là? Okay. Vous le voyez? On peut aborder the mission là? On est en. On se fait encercler là, on commence à se faire encercler. Moto, quoi, on fait quoi, on tire qui part de non, on tire non, pas, on tire pas à l'arme lourde, c'est du suicide. J'ai l'impression que c'est les camions avec quelqu'un au-dessus du camion. Putain, c'est une dinguerie, wesh, les gars. Ouais, oh, la dinguerie, la mission va être incroyable, wesh. On fonce mon Dieu. Dans les buissons. Vous m'écoutez ou pas? On tue. On fonce dans les buissons et préparez-vous directement à couvert dans le buisson, ok? Vas-y, attention. Et en mode observation. Vous savez comment vous mettez à couvert, les gars? Je sais pas... Ouais. Ah, couvert. Ah. Quoi encore? Ok, alors attends. On a... Oh putain, il y a une voiture qui arrive, je crois. J'entends des véhicules. Bref, vous êtes prêts? On te suit. Ok, on l'a en visuel, arme lourde du coup. Est-ce qu'on peut passer? Est-ce qu'on peut passer? Deux. Là, nous, on... C'est bon, vous pouvez avancer, il est vraiment parti côté nord. Vas-y. Le buisson là, venez. À couvert tout le monde, à couvert. Faudrait que tu nous fasses le débrief. Ok. Focus, enlève ta cam. Mais va manger du caca, Ninglock, ça va pas ou quoi? Vous ne bougez pas. J'appelle radio, je leur demande si... J'enlève pas la cam, wesh. Ça reste un live, hein. Slash. 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 Slip. Non, j'ai 5. Pour l'instant, là, on est plus au-dessus de vous pour essayer de vous sécuriser plutôt que de chercher, là, pour le coup. Ok, les 4. Ok, let's go. Aigri. Non, mais wesh, ouais, c'est ouf. Si on lève ta cam. Bah attends, moi je te retire du chat, tu me dis ce que t'en penses. Vas-y, c'est bon? Voilà. T'es bad maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le bateau, s'éloigner un peu de l'île. Voilà. Et attendre que ce soit un peu plus tard pour voir. Ça va pas ou quoi, wesh? Ok, ça marche. C'est des ouf. Juste au-dessus de la rue, avec des méchants. Film, tu demandes de backup. Comme ça, nous on le voit. Ok. Je vais essayer de passer en vif et les collègues ils vont faire une tourne. Je laisse ma. T'es arrêt? Non, mais non, les gars. Juste, il me dit enlève ma cam, moi je t'avais pas ou quoi? On retourne au bateau, là on est safe. Et on attend les. D'accord, bien. Bien, on sait chez Bus. 5, 4. Oh, y'a un véhicule qui se dirige vers nous, on bouge plus. On bouge plus, on progresse. Ouais. Allez, oh putain, merde.
Vous voyez sud. Ok, les trois personnes que je vous ai dit tout à l'heure sont sur le véhicule qui se dirige vers vous. Retournez à votre bateau. Mais non, non. Alors, une moto, ouais, on va retourner à notre bateau, sauf qu'il y a une moto dans nos alentours. Sur le backup effectué. Parlez doucement. Que t'écoutes pour vous, les gars. Dis 5, des armes lourdes là qui. C'est pas discret. Qui tient. C'est bon, j'ai l'air de faire. Je pense que. Moi j'ai une idée. Ceux qui sont formés à habiliter, ouais, les gars, équipez-vous d'armes lourdes. Plutôt que de courir. Attends, pas. On attend. Et en fait, en plus c'est gros, plus c'est gros, plus ça passe. Il faut juste qu'on arrive à rejoindre la route et qu'on marche sur le bord de la route. Je suis d'accord, mais ils nous mitraillent direct. Pour rejoindre la route. Oui, parce que là on était comme des. Okay, comme des Google. À votre ouest, il y a 4 bateaux rouges, 5 bateaux rouges, pardon, rouge et blanc. Et on a les 3 individus du coup sur une voiture qui sont allés les check. C'est là-bas. Et là, le véhicule revient vers vous. Bien reçu. Putain, 113. Je suis à couvert. Non, bon, on va nous sortir. Ah, du coup, le véhicule. T'arrêtes pas de te lever. On a 5 personnes. Je vais entendre un hélico ou c'est moi? Oui, c'est là. Et je vais revoir. Un hélico. Chut, c'est vous. Ah, ouais, d'accord, je vais regarder. Moi, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui arrivent vers nous. Ça arrive sur nous. Chut, bougez pas. Vous êtes à votre bateau ou vous êtes encore sur la plage? On est sur les. Là où vous étiez. Ils sont en train de viser directement le bateau là. S'il vous plaît, distrayez les, mettez des shots fire dans les airs, s'il vous plaît. Des shots fire. Waouh, la dinguerie. Par contre, je peux leur mettre la lumière. Pour les personnes. Arrête de parler radio, arrête de parler radio. Putain, mais. Ok, je leur fais des appels de lumière. Les armes de fou. C'est quoi ça? C'est putain d'hélico qui fait ça là? Bah ils sont sur vous alors les gars. Ouais ils sont sur vous, attendez. Y'a un hélico de la Guardia. Ah non, si, regardez, visé, prêt. Ah oui. Allez, ils vont vous tirer dessus, ils vont vous tirer dessus. Ouah, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Tiens à côté. Ouah, le salade. Par contre, on est en train de manger nos morts là. On est en train de manger nos morts là. Sur la tour de contrôle pour empêcher les personnes de rentrer dans le périmètre de sécurité. Donc. Oh, les armes de fou, les gars, c'est une dinguerie. Hein. Là, ils nous arrachent. Ils s'ajoutent à la. Comment on appelle ça déjà les grosses mitraillettes, c'est ça, tout simplement, je crois. C'est la sulfateuse. Non, c'est pas une sulfateuse. Ok, on s'est éloigné un peu, mais on a encore vu. Ah bon, on est encore au niveau de la maison et du bateau échoué. Là. Heureusement, on allait dans le buisson. Que dalle, là. Là, c'est bien, bien, bref. RPK. Mm-hmm. Ça me rappelle les Call of. Oh putain. Si nous on est dans la merde, on est mort, les gars. Arrête de pas voir de signe de vie au bord du bateau. Hein. Vous m'avez vu ou pas? Non, oui. Non, on est en train de tout fouiller. Ok. Bien. Ça devient problématique s'ils se permettent de venir avec encore plusieurs hélicos et qu'ils restent à utiliser leurs projecteurs. Oh là 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 là. On utilise là les unités anti-aériennes. Anti-aériennes? Il y en a un qui passe juste au-dessus. Il est parti, non? Non, il est côté S, direction la Lune. Non, mais il y en avait un qui vient de passer. Il y en a encore un, il y en a encore un. C'est le quartet de Medellin ou? Si. C'est stressant. Ah, c'est stressant, les gars. C'est Riley, je reconnais. C'est l'ancien capitaine, lui. Ok. C'est l'ancien capitaine. C'est son nouveau perso, je crois. Enfin, nouveau, mais. On a nos unités cannibales du coup qui sont au sol. On a 5 individus lourdement armés. Près d'eux. Pour l'instant, ils sont cachés. Nous, on est en train de guetter avec l'hélicoptère, mais on subit des tirs sur nous. Ok. Ça commence à devenir trop critique, pardon, vous revenez. Hein. De quoi? Je vais devoir refuel, faut que j'aille sur le porte-avions faire un aller-retour. Les personnes qui sont autorisées à être là. On est caché. Ok, Perico, ça va permettre de. Putain. De quoi refuel? Oh la dinguerie, wesh. Sur le porte-avions. Mais heureusement, on n'a pas bougé, hein. Les gars, vous imaginez, on serait allé sur le bateau là? C'est incroyable quand même. La gouverneure a eu le culot de me dire si on est en ciel de crise pour geler le problème de je sais pas quoi, de coronesse, de je sais pas quoi. Que se permettent de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Donc ils se dépêchent à prendre une décision parce que ça va péter. Eh, hein. Il n'y a pas besoin de décision, qu'ils n'en prennent pas surtout.
Qui prennent la bonne décision, du moins, qui n'est pas ici. Mais qu'est-ce que vous me faites faire? J'ai pas l'habitude de... Oh là 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 là. Mais il nous a senti. Il m'a écrasé mon pied. Chut. Oh mon dieu. Je suis vraiment pas bien là. J'ai fait caca sur moi là. Chut, putain. Mais t'inquiète, tu sens. Oh là là. Vous sur le porte-avions, on commence la recharge. Faites attention, l'équipe cannibale. Ils sont toujours au niveau du feu là. Ouais, ils veulent pas lâcher. On peut rien faire. Pas mal de personnes, a priori, arriveraient du côté ouest de l'île. Putain, on aurait dû bouger direct en fait, il a raison. Qui avait dit qu'on bouge. C'était Riz. Il a raison, frère, fallait qu'on bouge direct, mais. Non, en vrai, on sait pas, ça aurait pu être risqué. Ouest de Caillon. Il y avait soit retourner au bateau, soit chez Mussi du Buisson. Donc là, c'était bien. Mais toi, mode avion. Non, mais on s'en beurre. Mode avion, les gars, il y a que moi qui l'entends après, bon, ouais. Ouais, bon. Je le mets après parce que j'ai peur que si ça fait une animation, je me lève. J'ai trop peur. Je sais pas, des flares ou quelque chose pour attirer leur attention quelque part d'autre en fait. Oui, parti. Putain, et moi qui devrais dormir normalement depuis une heure. Je vous conseille de rester dans les buissons, là on va bientôt finir de recharger et qu'on vienne vérifier qu'ils soient bien partis avant que vous bougiez. Ok, c'est bon, je vais retirer mon avion. Je vous dis quand on arrive. Mais... Non, mais je devais essayer de faire diversion, moi j'ai pas d'idée. Hein. L'hélico nous agrée. Hein. Pas de ouf. Stressez pas, c'est normal. Ça va. On arrive là. Qui a pété, ça pue? Je crois que c'est moi. À ton avis, il y en a que un qui pète comme ça. C'est le stress, les frérots, c'est chaud. Ok, attendez, Seamus, fais un débrief sur nous. Ça s'est chopé. Si jamais, ils ont dit que si jamais vous continuez, ils allaient déployer des trucs anti-aériens. Exact. Et les bateaux, ils ont tiré sur les bateaux, c'est-à-dire que même les bateaux, je crois pas que ce soit leurs amis. Ok. J'ai l'impression que ça a attiré beaucoup l'attention ce qui se passe en ce moment, donc il y a beaucoup de gens qui viennent visiter comme si c'était chez eux. Le mieux, on arrive sur zone, on vous clear votre position et vous allez sur vos bateaux, on n'a pas le choix là. Hein. Trop dangereux. Jusqu'à là, on va faire ça. On va expliquer ce qui se passe s'ils reviennent. C'est ce que je voulais faire là parce que je pensais qu'ils allaient rester. S'ils reviennent, je vais tout seul, je dis bien tout seul, les distraire à gauche pour que vous puissiez filer à droite au bateau, ok? Attends, quelle gauche? À gauche. Mais Seamus, tu vas te faire tuer. Ouais, mais je m'en bats les couilles, je suis supérieur, je suis là pour ça. Mais sinon, t'essayes de. Tu te fais passer pour le pirate et tu dis, voilà. Tu te fais passer pour un pirate. Ouais. Et tout le bordel. Fais toutes les solutions avant, bien sûr. Ouais. Et vous foncez juste au bateau et vous rentrez à la maison. Ok, ok. Juste question, si on se fait choper, on vient de Cuba, c'est ça? On a volé des petits trucs. On est de Cuba. Et on tombe sur cette île, on n'a pas fait exprès. Ouais. Ok. Vous avez compris, c'est ok pour tout le monde. C'est parfait. On allait vers où normalement? Faites un backup. On est vers la route, mais c'est mort la route. Faites un backup. C'est bon. Riz. Oui, mais j'essaie de faire un backup. Je ne prends rien pour l'instant. Je pense que c'est le moment. Riz. Fais quoi, on y va? On y va ou pas? Il a dit que c'est bon. Par quoi, vous voulez rentrer là? Oui, il a dit c'est clear. Ouais, clear. Ok, allez-y, foncez au bateau. Go. On abandonne la mission là. Non, je pense qu'on va revenir, on va établir un plan. Tout le monde est là? Glouglou. Oh ouais. Glouglou. Abandonne la mission. Glouglou. Ouais. Moi aussi, de toute façon, c'est clair. Ah, comment j'ai sué quand ils étaient là, frère. Ah, clairement, moi aussi. Oh, je pensais pas qu'ils allaient se retrouver à côté. Restez à découvert. À couvert. Essayez, sinon vous rentrez. Allez, tout ça couvert.
Je vous extrais. Vous pouvez rester au-dessus et essayer de prendre le max d'infos de Ah merde. Oulala, non, Seamus, tu vas nous mettre face à eux là. Seamus, tombe de bon côté, mon ref. Non, non, Seamus. Continue loin, tout droit, comme ça, après tu tourneras plus tard. Ok, d'un de vous est blessé dans le bateau. J'ai 5. Ah! Bah, Seamus, ça va? Seamus, ça va? T'es blessé? Ouais, ça roule. Je rigole, j'ai rien. Oh putain! Ah, je me fais peur, c'est un bâtard! Les gars, on est reparti en vie, on était à 2 cm 2. Attends, c'est pas fini. Bah, si on rentre là, non? Faut jamais crier victoire. Là, c'est mort, là on ne peut pas faire la mission. Oh putain! Ok, Seamus, arrête-toi, on va changer de côté, d'accord? On abandonne la mission, ouais. Ah, là, c'est un échec. Ok, on change de côté. C'est bon. Oh non, je vais tomber. Oh putain! Oh non! Glouglou! Glouglou! C'est bon, allez-y. Oh non, accroche-toi et après on y va. C'est bon, vas-y. Oh là là, putain! Les lumières de notre si belle ville américaine. Félicitations à vous. Pardon, c'est bon. Oh, le rattrapage, bien joué. Désolé. Félicitations à tous, la mission est réussie, les gars. Ah ouais? Mission échouée, mais. On a échoué, on a rien fait là, on est parti, on a suivi, on est rentré. Non, il faut regarder la prise d'information qu'on a réussi à prendre. C'est vrai. Quand ils disent qu'ils ont du vrai matos, ils ont du vrai matos, il est comme ça. Ils ont du vrai matos. Truc anti-aérien là, putain. C'est quoi, c'est du sulfateuse, ça, c'est une dinguerie ce qu'ils ont. Ouais, c'était un coup de sulfateuse, 5 sulfateuses, et ils gaspillaient leurs balles à tout voir. Ah, donc, et. Putain. Ça, c'est une enquête qui va être rudement amenée. Je pense que le gouvernement va être impliqué dans cette histoire. On décampe et on laisse le gouvernement gérer, on écoute les ordres. Est-ce que c'est compris? C'est compris, mais du coup, là pour. Sensei. Ouais, ok. Non, mais pour la mission de base. La mission de base, c'est un échec. C'est fini, ok. Mais. On va continuer. Bon, enquêter, ouais. On laisse le gouvernement gérer. C'est pas une histoire qui nous concerne, nous, on gère notre petite ville. Et le mais les gars, c'est pas eux de base qui ont tué 72, 70? Là, il va pas passer, c'est une déclaration de guerre. Et si la gouvernante elle veut rien faire, eh ben on nommera notre gouverneur. La mission les gars. Ils ont tué 70. Et du coup on. Non, j'ai bien aimé ces 5 minutes. Ouais franchement grave. Ces 5 minutes l'IA mais elles étaient pas mal hein. Elles étaient vraiment pas mal. Et quand ils sont venus. Quand ils passent à côté de nous. T'as dit quoi? Ouais c'était bien. Les 5 minutes l'IA mais. Gars 90 pas mal. Oh, c'est comme. Putain, l'époque, sa merde! Putain. Excusez-moi, pousse. Ouais. Non, vas-y, je t'ai coupé, vas-y. T'as vu comment il a appelé son fils, Gotaga? Il a appelé comment? Liam. Arrête! C'est 90? Ah, ok. J'ai pensé à ça. Vas-y, je fais confiance. Pour rire, 95, il est excellent. Ah, merci. Je t'en prie. Non, mais 30, du coup, t'es avec Riz ou pas pour de vrai? De vrai, on est ensemble! Il est fou quoi ce mec! Quoi, vous êtes en couple? Je posais une question à 30, pourquoi c'est toi qui réponds? Vous m'entendez pas! Quoi? Mais si, ils ont fait truc de ouf! Si, on t'entend! Mais attends, mais viens là, connasse, tu m'as rien dit! Connasse! Mais ça s'est fait hier! Avant-hier! J'ai vu des trucs de ouf, hein! Ça se crachait dessus, ça. Quoi? Ça se mettait des baffes, de ouf. Mais amicalement. Bien sûr. Après, c'est ça qui est. C'est l'amour, hein. Vous êtes amoureux, faites ce que vous voulez. Hein. Les gens, vous pensez si c'est fini, il y aura rien d'autre? Mais non, mais les gars, il a raison en vrai, Seamus. Là, au moins, les gars, on a pris les infos. Et c'est bien, ça va créer une histoire. Parce que t'imagines, on y va, tout le monde meurt. On est à la mer, tout ça, l'océan, on est bien servi ici. Mais en vrai, t'as raison, Seamus. Là, ce qui est bien, c'est qu'on prend l'information. Enfin, je vais répéter ce que t'as dit, quoi. Du coup, on aura le temps de bien enquêter ce qu'il faut. Exactement. Il a compris, tout. Bien c'est vu, Charles. C'est pas nous qui allons enquêter, nous, on s'en bat les couilles. Enfin, non, on s'en bat pas les couilles. Oui. On pleure. Et non, on mais vaut mieux ça que on y va tous, on meurt, ou on gagne et c'est fini. Entre gros guillemets, quoi. Moi, je pensais ça va mieux tes genoux. Hey, mais ouais, ça va mieux. C'est pas avec ça. Hey, mais okay, moi je pensais que c'était une petite mission Seamus tranquille.
Je vois. On se fait rafale avec des AK-47. Y'a des blessés dans l'hélico ou pas? Ils l'ont dit? Non. Oh. Bah, je crois qu'on touche le. Oula, oh mon dieu! Oh putain, on penche! Oh le Titanic! Le Titanic! Oh non, faut pas qu'on meure là quand même! Oh bah il est mort! On arrive. Sautez de l'autre côté. D'après la gravité, c'est plus bas là-bas. Imaginez, on survit à ça et on meurt comme des merdes. Oh merde, je meurs! D'après la gravité, c'est plus bas là-bas. Que tu veux me faire, toi? C'est une dinguerie! T'as dit quoi? C'est pas fini là? Si, mais juste moi je dois parler à Kathleen et Adriana. Okay. Ah! Pour un potentiel plan à 3. Oh, c'est beau l'aéroport, c'est beau! Merde, bah je voulais ça là. Oh les gars, c'est beau! Oh. Je vais récupérer mes affaires et je vais. Personne n'a un doliprane par hasard. Tiens. Oh non, ça... Ah oh! Oh mon dieu! Oh merci! Tout ouais. Ça? Ouais. Mais attends, mais. Ah, mais là, j'ai au moins pour un mois de barre de chocolat là. Bon, c'est bon, nous, unité cannibale, on est rentré au mercat. On attend en voiture. Attends, mais là, mais t'es un bon? Ouais, je sais. Pourquoi tu te balades avec 35 environ barres de chocolat? Ah, bah, c'est quand je stresse, je mange beaucoup de chocolat. Ah ouais? Mais t'es enceinte? Allez, s'il vous plaît, bureau, c'est pas bien chez vous. Ok, parce que souvent les femmes enceintes, à ce qui paraît, elles mangent beaucoup. Non, t'inquiète. Ah, faut récupérer nos affaires. Il danse là ou. Il danse ce bâtard, hein, failli crever. Là, il danse ou. Oh! Yeah! Hey, yeah! Yeah! On the beat! Bra! Attends, mais vous faites que des dames là? Yeah. Non, en gros, moi je. Regarde. Mais vous dansez alors qu'on les a même pas sauvés? Oh! On est pas là! On est pas là! Vous dansez pendant que le collègue se font peut-être torturer, les gars! C'est parti au Mexique, c'est l'info qu'on a eu. Regarde-moi! Allez, ça nous attend! Là, tu tapes, voilà, comme ça. Ils sont partis au Mexique. C'est l'info qu'on a. C'est n'importe quoi, cette police, là. Vraiment, t'as couru, t'as dansé. Non, parce qu'on a tenu. T'as tenu 95. Qu'on a vu d'en haut, nous, c'est des mecs armés. Une 60. On les avait, on est à 3 mètres 2. Oui, c'est de l'armement abusé. On récupère les affaires en balle. Dans le coffre, attends, s'il te plaît. Il y a tout le monde qui a ses affaires là. Oh là là, la flemme de tout récupérer là, il y a trop de trucs. Oh mon dieu. Ça, c'est à moi. C'est pas moi ça. Sa carte grise, c'est à moi. C'est à moi. C'est à qui le découpe Mokhtar là? C'est à moi ou. Allez, s'il vous plaît, on monte. On embarque, on perd pas plus de temps que ça. S'il vous plaît. Je récupère juste mes affaires. Eh ouais, mais ça, t'es censé le faire depuis 20 minutes. C'est à moi? Ma bad. Le Glock, il est à toi? Comment je suis trop speed? Ba. Oh bah, c'est bon, je t'ai pris. C'est bon, je dis quoi? On peut pas attendre la lieutenante. C'est bon, les gars, j'ai tout pris. Attends. Elle va nous parler. Attends, pousse. Ah, mais vous êtes plein, merde. Vas-y, montre. Toi de base, et je voulais l'envoyer à elle. Bah, désolé. La matraque? J'ai pas la matraque. Oh merde. Bah, je dois prendre là-bas, les gars. Mais on est la plus plaque. Ensemble. On est plus ensemble. Bien vu, chat. La plaque aussi, ouais. Tu sors avec Taha. Tu sors avec Taha, toi. Oui, c'est vrai. Bah, ouais, j'étais pas content non plus. Je me dis putain. Plaque, matraque et GPB. Mais GPB, j'en ai déjà pris un, les gars. On s'en fout après. Il m'en faut juste un, donc tant mieux. En vrai, les gars, ça me permet de m'organiser du coup. Enfin, de me vider mon. Attends, mon mais sac. Comment ça se fait que t'es en vrai. Au courant, toi? C'est ta copine? Les menottes, j'ai pris, je crois. Les menottes, les gars, j'ai pris. Elles non, sont. Je l'ai pas eu hier, elles sont là. Elles sont là, ouais. Ok, mais comment. C'est quelqu'un d'autre qui l'a pris ta plaque. Ah merde! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Aïe! Aïe! Oh mon dieu! Tu vois pourquoi je veux pas que tu conduises? Mais ça n'arrive jamais normalement, ça! Tu vois pourquoi je veux pas que tu conduises? Non, là je comprends, mais là ça m'arrive jamais, ça! Ah, à ma tête! Tiens, conduis, tiens, je te donne la clé, je donne ma plaque, carrément. Fou! Oh non!
comment c'est possible? Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Ben, t'es un Google. Mais on m'a porté l'œil, C'est pas possible ça. Je te promets, c'est pour ça que je te dis, tu vois, j'aime bien conduire moi. Non mais sur 1990 milliards de personnes sur Terre, ça arrive à moi ça. Oui. Mais on n'est pas 1999 milliards, on va être genre 10 millions, un truc comme ça. Quoi? Comme on dit, c'est pas des chiens qui font des chats. Je crois que c'est ça, l'expression. Ouais. Non mais là... Non mais du coup t'allais rattraper le truc. Non, j'habite pas ta mère. Non, je voulais dire... Non. En gros... Merci. Eh non, je parlais pas les mamans. Mais en gros, là j'ai cru que t'allais me rattraper mais t'as tout niqué. Mais c'est bien vrai, ça allume tout. Vous avez du bureau 2 au bureau capitaine? Tu m'en veux, Riz? Non, je t'en veux pas, Yuko. Désolé. Je t'en veux pas. C'est pas grave. En fait, l'essentiel c'est que t'es fait de ton mieux. Et moi, à partir du moment où tu fais de ton mieux, ça me rend heureux. Non, je fais de mon meilleur. Mais l'accident, c'est pas ma faute, hein. C'est le poteau là. Enfin, je crois que j'ai roulé sur quelqu'un. Nos affaires étaient dans ce coffre ou dans l'autre coffre? Oh merde. Ah non. Je crois qu'on est 8 milliards sur Terre là actuellement là. Mais non, n'importe quoi. Ça, c'est les complotistes, les mecs. Ouais, les complotistes, c'est comme ceux qui disent la terre est ronde. Elle est pas ronde la terre. Regarde là, on roule là. On tomberait sinon. 5 secondes. Ouais, 5 secondes, on est là. Combien de temps? 2 secondes. Parfait. Juste pensez comment parler les gars à biper avant de cliquer là. Vos phrases sont coupées. D'accord. Bien reçu. Tu fous la haine. Tu n'aimes pas respecter, il n'aime pas calculer. Il s'en bat les couilles. Attends, fais un call important. 113 pour 04. Ah non, merde, ça va couper. Allez, écoute, 04 pour 113. Ben, va. C'est bien reçu? C'est reçu, c'est copié, vous avez le droit, oui. Faites. Le bâtard il a rien respecté. Et le 04 il s'en bat les couilles. C'est bureau 3 113. Ça j'irai d'écouter s'il vous plaît. Oh là là Adem. Il a dit quoi? Mais justement il a rien dit, il a dit n'importe quoi. Oh les gars, il y a de l'argent. Les gars, il y a de l'argent. Bismillah. C'est une sadaqa, ça je reconnais. Moi je suis en hess en RP. Non les gars, ça c'est fisabilillah. Ça je reconnais. Attendez, j'ai les clés ou pas? Ah, j'ai les clés mais j'ai pas les menottes, je suis en ouf. 39 pour Adjo, c'est quel étage? Bureau 3. 10-4, j'arrive de suite. Dès à présent. Les menottes, bien vu, chat. Oh non! J'en avais 3. Le taser, j'ai taser. Et couteau, j'ai. Enfin, en vrai, on verra. Si j'ai pas, je demanderai, les frères. T'as pris la plaque de Riz. Oh merde! Bah, quelqu'un a pris ma bonne plaque, ça se trouve, c'est lui. Ah non, il a pas pris encore. Bon, on verra. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame, monsieur. Charlie, il y allait à deux, je suis pas sûr que ça m'a aidé. Le couteau, mais ça sert à rien non plus. Oh, je suis. Hey. Pourquoi j'ai dit ça? Hey. Hey. Attends, c'est pas bureau 3, il s'en bat. Donc, il y a eu beaucoup de coups de feu sur le décivil. Beaucoup de speedo, beaucoup de bateaux jet qui sont passés à côté, qui sont fait tirer dessus. Un autre bateau pêcheur à côté. Merci pareil, les frères, à ceux qui commandent les gars. Merci les frères, merci infiniment. Ouais, beaucoup d'armement lourd, ils n'hésitent pas à tirer. Et, merci beaucoup les frérots. Leur endroit, quoi. Ceux qui commandent les maillots. Beaucoup de barrages, beaucoup d'armes lourdes. Et du coup, on a pu comprendre qu'il y avait un missile sol-aérien qui allait nous tirer dessus si on partait pas. Beaucoup de photos qui ont été prises, du coup. Alors, actuellement, j'aimerais savoir, du coup, quand les trois agents qui étaient là-bas. On a survolé toute l'île. Oui. On n'a pas trouvé le corps de Zai, malheureusement. Okay. Et on pense que, du coup, l'information qui a été donnée au téléphone, vu comment on a tous survolé,
que l'information comme quoi nos deux autres agents étaient au Mexique peut être confirmée. C'est ce qu'ils nous ont dit au téléphone. La piste d'atterrissage était vide, okay. Aucun avion n'était présent. Donc on suppose que leur avion personnel ont décollé pour partir en direction du Mexique. Ok, est-ce que vous avez su trouver un lien là-bas sur place, un individu avec qui parlait ou pas ? Il y a écrit Mektoub qui veut dire destin. C'est pour l'équipe cannibale. En fait, ils nous tiraient dessus dès qu'ils nous voyaient. Donc même en tant qu'individu, même... On s'est fait tirer dessus. Ah ouais, ils nous ont tiré dessus. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait des... à cause des civils à bord d'avion. Des civils qui abusaient, ouais. Effectivement. Et en fait, je pense que... Ouais, voilà. Merci, Quiz. Vous êtes pas blessé, vous ? Ça va ? Non. Aucun blessé. Ok, ok. Est-ce que vous avez pu repérer des lieux potentiellement dangereux là-bas ? Que dalle, pas, que des... Et on a vraiment accosté sur la plage. On est resté dans un buisson. Et après, on est reparti. Ouais. Ah, c'était parce qu'on s'est trop fait agresser. C'est une mission échouée. Très bien. Ils avaient des M60, je crois. Ah bon ? Ok. Qui s'en avait d'en bas. Dans tout sulfateuse, tout ça. Vraiment gros bordel. On pouvait rien faire. On a des photos des M60. Si jamais 04, on en a coté au moins 5. Ils étaient 6. Ouais, 5-6. 5-6, ok. On a la cartographie... Les Miradors, tout ça, on les a. Ils ont des GPB aussi. Hein. Ils tiraient directement, donc on n'a pas pu faire de contact. C'est ouf. Même, ouais, t'as même pas pu tenter un dialogue avec eux en Mexique. C'était impossible. Négatif. En fait, du moment qu'on a mis les pieds dessus, on s'est fait tirer dessus. Je sais que parfois je peux paraître violent, madame la gouverneure, mais on a jamais employé le mot riposte. Nous, tout ce que vous venez de l'employer ? Non, je viens de vous dire que si on n'a pas de nouvelles de nos deux agents, il est normal qu'on va devoir employer des ripostes. C'est normal. Oui, donc vous venez de l'employer, c'est ce que je viens de dire. Si jamais on n'a pas de nouvelles de nos deux agents. Oui, mais donc, ce que je vous dis, c'est que je vais contacter les autorités mexicaines au plus vite. Mm-hmm. Ils vont les rechercher, mais ils ne vont pas les retrouver en un claquement de doigts. Et malheureusement, ça, c'est des recherches qui prennent du temps et je ne pense pas que vous aurez de nouvelles d'aussitôt. Putain. Je ne veux pas être pessimiste, mais... Ah, bah, il me rappelle. Bah, voilà, oui. Allô. Est-ce que quelqu'un peut m'appeler, s'il vous plaît ? J'ai un problème avec mon téléphone, s'il vous plaît. Attends, excuse-moi. Ouais, je vous écoute. Ah, pardon. Alors, dites-moi la situation actuelle, s'il vous plaît. J'attends un appel de votre part. Alors, dites-moi, il m'a fallu le temps de me déplacer. Hein. San Andreas, c'est quand même plus vaste que Caillou. Je me suis rendu au LSPD pour leur transmettre votre message. Très bien. Quelle est la situation actuelle, du coup ? La situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'unité engagée sur Caillou. Parfait. Très bien, le message est bien passé et j'ai eu des informations comme quoi les troupes battaient en retraite au niveau de San Andreas. Donc c'est parfait, l'entente a été convenue. Maintenant qu'on se fait entièrement confiance, j'aurais une autre question pour vous. Les agents que vous avez expatriés au Mexique, est-ce qu'on peut avoir un contact avec eux, avoir des nouvelles, savoir où ils sont détenus, qu'est-ce que vous en faites, comment ils vont ? Est-ce qu'ils veulent un échange pour qu'on les aide ? Pour le moment, ils vont bien. Le fait qu'ils aient été pris en tant que prisonniers, vous savez très bien que ça va être pour récolter des informations qui peuvent nous être chères. Mais menacez-les d'une guerre totale, bordel, on est les Américains ! Chemus. On vous laisse... Est-ce que vous pouvez transmettre aussi une information importante à la presse ? Mm-hmm. C'est que là, l'acte était visé envers les personnes qui s'aventuraient sur Cayo Perico et les actes qui pouvaient courir étaient présents. Demandez un signe de vie, une photo. Demandez une photo. Si des civils viennent sur Cayo Perico, ils n'auront pas forcément la même sentence. On a déjà transmis ce message, monsieur. Voilà, parfait. Juste que une photo avec un journal du jour. Tous les 48 heures. Pour pouvoir transmettre à la presse ce genre de choses et me prouver justement que vous n'êtes pas un barbare, j'exige d'avoir l'article une preuve de mes agents, s'il vous plaît. Une des photo, deux agents. Un enregistrement. Des deux agents qui sont partis prisonniers. Oui. Bon, les gars. Demandez-leur que tant que vous aurez la vie, aucune riposte sera employée par l'Amérique, mais s'il n'y a pas de... Oui, j'ai dit oui. Oui, les deux agents qui sont partis, oui. Malheureusement, ça va être assez compliqué, mais vous avez ma parole que ces agents sont encore en vie. Quelle parole ? Vous venez d'enlever mes agents. Votre parole, elle vaut pas grand-chose, monsieur. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous avez mis à mort un agent de sang-froid, donc votre parole, pour moi, elle vaut rien. Je peux comprendre. J'ai une question pour madame le gouverneur. Tu vas d'abord nous la poser à nous et on va dire si tu vas la poser à la gouverneure. On t'écoute. La question. Alors, je suis. Excusez-moi de vous couper. Est-ce qu'il y a cette 8 là dans la pièce ? Non, il est actif et un brûlé à miroir. J'ai un peu de mal à raccrocher. Vas-y, ouais, moi aussi j'ai du mal à raccrocher. Et moi j'ai mieux, c'est non, pas que je vais passer plus de temps avec vous. Hein. C'est. En fait, voilà. J'attends que. Ah, voilà. C'est bon, ça y est. C'est vraiment pas que. J'ai absolument rien contre madame le gouverneur. C'est juste que là, je fais preuve de sang-froid énorme, mais je comprends pas pourquoi on part pas en guerre totale contre Cayo Perico. L'Amérique peut l'abaisser. Écoutez-moi deux secondes. Allez-y. Si on part en guerre totale, qu'est-ce que ça donne là maintenant ? Troisième-moi. Et on colonise et ça nous fait une terre de plus. Oui, mais. On colonise et on blesse des agents, on les tue, on les fait mourir. Et on perd ceux qui sont au Mexique. On leur envoie l'armée. Merde.
on monopolise les civils et ils y vont. Alors pour l'instant, il n'y a aucun d'armée, les agents sont encore en vie. C'est pour l'instant, ils sont encore en vie. Si on n'a pas de nouvelles d'eux, on pourra possiblement entamer une tentative de d'exfiltration, mais pour l'instant, on a rien. Donc vous, faites jouer les contacts entre LS et Kayo, voir si vous avez des gens là-bas, infiltrés là-bas pour avoir des contacts sur place, ce qu'ils font là-bas, s'ils sont encore en vie. Nous, on a le contact du mec à Kayo, on va voir si toutes les 48 heures, on peut avoir une photo des mecs sur place. Si on ne l'a pas, la gouverneure fera l'appel nécessaire et engagera les gens concernés si on doit faire un assaut ou non, et voilà. C'est pas nous décider de toute manière. Vous savez, Chimios, dans une guerre, il n'y a jamais vraiment de vainqueur. Il n'y a que des pertes. On se rappelle du Vietnam, ouais. Rappelez-vous ce que vous voulez, mais... Voilà. Au mieux une mission échouée qu'une mission suicide, Chemus. Ouais, tout à fait. Je vois bien. On tente pour moi pour cette intervention. Vous voulez encore transmettre votre sperme au futur cadet, Chemus ? Votre ? Oui. Mais sachez que si vous avez besoin d'un agent pour aller au front première ligne, j'y vais. Votre quoi ? On pourra faire appel à vous, merci beaucoup. Votre dévotion est admirable. Parfait, et madame la gouverneure, je pense que ces agents peuvent être quand même récompensés par le gouvernement, une petite médaille pour leur bravoure quand même, non ? Ils sont partis en terrain inconnu pour vous. On verra ça demain. Et bien super, et bien bravo. Bravo à vous les collègues, bon boulot. Merci à vous, félicitations à tous. Je transmettrai les noms à 04. Ouais. Évidemment, bravo à les collègues. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. America. Courage à tous. Au revoir, bonne nuit.